Yo les amis, j'espère que vous les aimez bien, c'est Samen. Les gars, aujourd'hui on va faire un autre tuto qu'on avait fait avec l'A2F sur Fortnite Battle Royale et sur comment choisir son pseudo Twitch. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment t'es un débutant, comment XP un max. Donc là vous voyez, je suis rang 30, mais si je le fais pendant même pas 20 minutes, je serai niveau 100. C'est une technique que j'ai appris vraiment il y a même pas 5 minutes, enfin une technique non, que j'ai découvert. Donc quand t'es débutant, quand t'es, on va dire à peu près confirmé sur le jeu, ça ne sert à rien. Donc déjà vous pouvez voir que j'ai recommencé mon compte parce que j'avais un autre compte niveau 230 avec beaucoup de LR. Là déjà regardez mon équipe. Ceux qui s'y connaissent un peu sur Dokkan Battle, ils vont voir que mon équipe n'a aucun... C'est pas du tout cohérent, je veux dire, j'ai peut-être un divin en tant que leader, mais bon, les autres... Genre, je veux dire, celle-là, c'est la pire UR. Le Goku comme ça, là, le Goku en bas ici. Donc aujourd'hui, je le dis énormément de fois, donc vous allez déjà dans l'accueil, donc là où vous faites tourner vos persos, voilà. Donc vous cliquez sur départ, donc c'est là pour lancer une quête, un événement pour des souvenirs, bataille, combo. Vous allez cliquer sur événement, voilà. Donc moi normalement ça devrait déjà être mis, parce que j'ai fait la quête, voilà. Donc vous allez cliquer dans histoire, donc techniquement vous cliquez pas parce que ça va le mettre directement. Vous allez descendre jusqu'à tomber sur guerrier expérimenté équipe Bardock. Donc c'est une mission qui est très très difficile pour un débutant. Quand t'es un débutant rang 30, même si t'as des UR et des SSR, c'est impossible. Parce que là, tu peux prendre n'importe quel perso parce qu'on va pas jouer. Cette mission est très difficile. Faut vraiment être expérimenté pour le faire. Non, je vais vous montrer c'est quoi. Parce que elle fait 50 000 de dégâts par attaque. Et quand elle se met son super pouvoir, elle met du 100 000. Donc c'est impossible. Regardez, moi là je me fais one shot. Donc en fait c'est très simple. Vous allez juste à compléter, à récupérer les petits points bleus. Donc si vous avez des 1, il y a énormément de chance. C'est un Instagram de mon pote. Hop, vous allez faire ça, hop, vous allez juste continuer H24 à cliquer, hop. Et voilà, il y a une étoile. Quand vous allez faire ça, regardez l'XP que ça m'a apporté. Puisque c'est temps, voilà, regardez les gars, j'ai pris un niveau, regardez toute l'XP. J'ai pris presque un niveau et demi. Pourquoi ça marche autant? Parce qu'en fait, le ZA, tu gagnes 10 fois plus d'XP. Regardez toutes les boules que tu gagnes. Alors ça, sur notre compte, je sais plus trop si c'est une nouveauté. C'est peut-être des boules de potentiel. Je ne sais pas. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous annulez le nombre d'amis. Et vous le faites plusieurs fois. Hop, on prend... Par contre, là, j'ai un mur. C'est vrai que là, j'ai un ultra rare. Hop. Et vous le faites à l'infini. Moi, je vais pas le faire à l'infini parce que sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Donc vous le faites peut-être 2-3 fois, 6 fois si vous aurez vraiment le temps, si vous avez quelque chose à perdre. Vous le faites, voilà, vous le farm, et ça, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Dokkan Battle, je pense que oui. Mais du coup, ça peut énormément vous aider. Pourquoi? Parce que quand on atteint le niveau 50 sur Dokkan Battle, donc le rang 50, on débloque les énergies potentielles. Qu'est-ce que c'est les énergies potentielles? C'est pour faire que ton personnage soit plus fort. Voilà, ça sert à ça. Donc là, je l'ai fait 2 fois, les gars. J'ai pris 2 niveaux, je crois. C'est franchement dingue. On va le faire encore une dernière fois et c'est tout. Donc, je vous remercie. J'ai oublié vraiment de le dire. Je vous remercie énormément encore une fois pour les 400 abonnés. Mais vraiment. Alors, ça, c'est quoi ça? Ah, c'est un nouveau mob. Ok. Donc des fois les gars, les mobs ils peuvent changer hein. Ça peut être celui-là ou un autre. Donc je vous remercie énormément les gars pour les 400 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas comment vous remercier. On est bientôt, donc là les gars on va farm les 500 abonnés. Ce serait énorme de votre part. Donc, vous avez vu que ça prend quand même pas une minute à le faire hein. Vous avez juste à cliquer sur les trucs, prenez les plus grands hein. Cliquez pas sur les 1. Hop. Et voilà. Donc le level il est clear instant. Et là, vous gagnez, je sais pas combien d'XP, mais voilà. Vous gagnez énormément d'XP. Et c'est le principal quand t'es un débutant. Donc j'espère que pour tous les débutants, ça vous aura servi cet petit tuto. Enfin, ce petit tuto pour gagner un max d'XP.
Et oui, les gars, fallait s'en douter, il y a toujours un problème avec mon enregistrement. Je voulais vous dire encore un grand merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Samen, je vous dis ciao, ciao. I promise that you'll never be lonely.